Bien, alors comment gérer les exercices enregistrés par l'enseignant? Donc pour éventuellement en supprimer, la solution va consister à se connecter en FTP sur le Raspberry Pi. Donc pour cela, vous utilisez votre logiciel FTP. Donc moi j'utilise FileZilla. On va se rend dans la gestion des sites. Je vais prendre l'accès au Raspberry Pi. Alors pour se connecter, les paramètres sont les suivants. Donc on va se connecter en SFTP. On va mettre l'adresse de l'hôte qui est le 10.341.1 et on va mettre le nom d'utilisateur qui est Pi et le mot de passe Pi. On se connecte. Et là on va retrouver donc l'arborescence des fichiers du Raspberry. Donc pour gérer les exercices, on va tout simplement se rendre dans Bras, Exercices. Et par exemple, si je veux supprimer l'exercice 1 qui est là, il suffit de se rendre sur le fichier et de faire un supprimer. Là, je viens de supprimer l'exercice 1. Voilà. Je vais me rendre à nouveau dans l'interface. Alors, pour que l'exercice soit vraiment invisible, on va rafraîchir l'interface et là on voit que l'exercice a été supprimé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.